La réalisation des côtes. La côte double ou la côte deux mailles en droit, deux mailles en vert, ou dites 2-2. On tricote deux mailles à l'endroit. Puis on passe le fil devant le travail. On tricote deux mailles à l'envers. On repasse le fil derrière le travail. On tricote deux mailles à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et ici, on termine par deux mailles à l'envers. Le premier rang de côte est réalisé. Lorsque l'on va tourner l'ouvrage pour entamer le deuxième rang, on va commencer sur des mailles en droit. Et ainsi de suite. Et on obtiendra les côtes doubles.